Bon, les aléas du direct. La deuxième caméra ne veut pas démarrer. Ou plutôt, dès que je la branche, elle s'éteint. Je la débranche, elle s'allume. Comprends qui peut là. Alors là, ça fait bien un quart d'heure, 20 minutes là. Ouais, il est 14h. Ouais, ça fait un bon quart d'heure là que j'entends Gilles. Donc la propague, on sait de quel côté aller. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, là où j'étais sur la route, eh bien, y a du monde, y a du monde. Break over. Wow. Ok. Je m'installe. Tous à retourner. Les 73-51, bon, j'espère que ça va aller de mon côté. Je module quand même. Si tu m'entends un peu moins fort côté micro, c'est normal, je suis avec le micro d'origine, là du Yazoo. Pour essayer de limiter de limiter les problèmes. Bon, comment vas-tu, Gilles? Est-ce que le café whisky, le café à la crème de whisky était bon ce matin? Hachis trois coups. Ah oui, alors si la propagation est là, tu verras, là je suis en train de, je viens de démarrer une vidéo là, et dans la précédente vidéo, là je suis en mobile, et oui, je confirme, j'ai dû aller là sur Libourne, donc à 20 km de Cuira, je suis passé par Saint-Émilion, ceci, cela, et oui, il y a du monde. Et bizarrement, toi, la fréquence devient la fréquence moniteur de pas mal de monde, on dirait, là, le 625. Hachi! Ben oui, la fréquence est plus populaire, la fréquence est plus populaire. Oui, oui, oui. Puisque là, sur le retour, là, je suis venu dessus, tac, j'ai écouté un petit peu. Bon, j'entends des personnes de mon côté. Je lance un appel. Wahoo! Bon, ben d'accord. Je vais ailleurs. Oui, non, mais ça, d'accord, je comprends bien. J'ai bien compris que le bouton de ton poste, il est cassé et que tu pouvais pas aller ailleurs. Moi, j'ai la chance de pouvoir encore tourner le mien. Oui, je vais profiter pour faire la QSC de notre ami Claude, 14 Oui, 100% QSL, je l'ai entendu en direct, parce que là, là c'est pas compliqué, toi, là je suis rentré un petit peu en retard.
Donc du coup là, quand tu commençais à, quand j'ai commencé à t'entendre là vers, allez, il y a 20 minutes, il y a 20 minutes de ça, là, moi j'étais encore à table, j'étais encore au gastro solide. Alors vite, 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 on se dépêche, on avale tout, on pousse tout. J'ai le café, le cappuccino là qui est juste à côté de moi. J'ai fait au plus vite pour vite arriver au micro. Ouais, c'est moi aussi là, ça devient très QRP là d'un seul coup. Hein. Là, 14h05 ici, ouais, ça devient assez QRP. Ah oui, donc oui, les 73-51 retournés à la station que j'ai entendu très QRP, voilà. Frontière Belgique, je sais plus ce que tu m'as dit. C'est tout Pékino là ici, c'est tout Pékino. C'est très QRP ici, les 73-51 retournés. C'est que là, je vais me mettre sur le web SDR, donc ça prend quand même de la ressource malgré tout, un peu. Et j'ai en même temps travaillé une vidéo. Bon, maintenant qu'il a 16 gigas de RAM, ça va le faire quand même. Web SDR totalement. On calme les chevaux. Ben, c'est très moyen de ce côté-là. Bon, maintenant, avec mon souci à la station, je ne sais pas comment ça va se passer. Possible que je sois obligé de couper le web SDR. Enfin, du moins, d'éteindre mon haut-parleur. Que. Oui, bon, d'accord. Que voici, mais que je mets un peu plus loin. Alors moi, là, vous avez entendu le bruit. Hein. Je suis en train de remarquer un truc en ce moment. C'est que ça peut être pratique pour savoir de quel côté la propague. Parce que quand on entend ça, ils l'ont aussi sur le Québec. Donc, il y a un truc à analyser de ce côté-là. Ça fait des bagues. Merci.
Oui, affirmatif, avec beaucoup de QRM de mon côté. Je dis ça parce que je vois le SDR en même temps en écoute. Mais je vois qu'il n'y a rien qui passe dessus. Quoique, attends, qu'est-ce que j'entends? Non, c'est moi qui passe, là, qui rayonne dans le haut-parleur extérieur. Non, j'ai rien qui passe sur le web SDR. Putain, autant pourtant, là, ces dernières semaines, ça passait très bien dedans. Autant, là, maintenant, on a du mal à s'entendre dedans. Ah oui, tout à fait, oui. De toute façon, ça a toujours été la propa qui décide. Hein. Ah oui, j'ai entendu un bruit là sur le web SDR. Ok, d'accord. Je vois une traînée là-dessus. Oui, non, mais de toute façon, c'est la propa qui décide. Hein. Et là, l'air de rien, là, je suis qu'avec la puissance du poste. Hein, c'est tout. Hein. J'ai rien de plus. Ah oui, sur la vidéo, si tu vois pas le vue-mètre monter, c'est normal, je suis en position tosmètre. Hein. Parce que bon, j'ai toujours pas résolu mon problème, et c'est pas encore aujourd'hui que je vais avoir le temps de le résoudre. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du côté interne QRA, visiblement. Donc, faudra que je monte sur le toit. Ce qui est bizarre, c'est que si normalement le taux c'est parfaitement bien réglé sur aller sur 120 canaux, on va dire, donc canaux normaux, canaux sup, là je me retrouve avec 1,7, 1,8 même de taux du côté des 40 canaux. Et il faut que je monte sur le 27,900 quelque chose, là où je vais jamais en plus, pour avoir beaucoup moins de taux. Alors je sais pas ce qui s'est passé là du côté de l'antenne, mais bon, ça a dû s'oxyder là quelque part. Il va falloir que je grimpe là-haut, je sais pas comment, parce que ça fait quand même 13 ans que c'est monté. Comment te dire, j'ai peut-être plus la même condition physique que quand je l'ai mis en place. J'entends un abruti derrière aussi, par contre, là. Ouais, c'est ça, il a des gaz. Ça devait être un extraterrestre. Putain, j'ai rigolé quand j'ai écouté ta vidéo. Ça doit être un extraterrestre, il a des gaz. En tout cas, hier, j'ai rien entendu du côté du Québec. Hein. Rien de rien. Hein. Je suis allé un peu partout, à droite, à gauche, en bas, en haut. Et pas un OM du Québec que j'ai entendu hier. Putain, je commence à me dire, ah merde! Putain la vache, la porte s'est refermée, la saison est terminée pour nous, là. Enfin, la saison franco-Québec. Et puis là, bon, là tout à l'heure, là, il y a une demi-heure de ça, là, je t'ai entendu, je me suis dit, ah, quand même, on va avoir à nouveau un petit peu de neige ici aujourd'hui. Et à propos de ça, tiens, je vais aller voir la température, je reviens. Alors Gilles, t'es bien assis? Voilà la température. Bon, déjà, côté dehors, côté ciel, c'est un grand beau soleil. Un temps, aller à la plage. Et à ce point, presque, puisque là, il y a quand même 15 degrés, là, ici, là, sur le sud-ouest. Hein. Ah oui, 15 degrés, plus 15, hein, pas moins 15, hein, plus 15, hachi! Thank you.
Ça a sacrément remonté là, par rapport à ces derniers jours là où ça a été waouh, hyper bas et même plus froid que ce que vous avez l'habitude d'avoir. C'est bizarre comment ça fait des yo-yo extrêmes comme ça en température. C'est vrai que c'est à pas comprendre. Ok, ben toi par contre tu passes très bien. On voit que qu'il y a quelques chevaux derrière. Oui monsieur, j'ai même remonté un peu plus mon filtre DSP. J'avais descendu à 4, j'ai remonté à 5 là pour arriver à mieux te sortir. J'étrangle le maximum de ce côté-là là pour être sûr de t'entendre le mieux possible. Bon, ça fait un petit peu aquarium, mais bon, c'est pas grave du moment que j'arrive à t'entendre. Bon alors, les abonnés au 625, ils sont où là? Ils sont où les abonnés au 625? Alors le micro d'origine, eh bien il est comme le poste, hein, mais le poste lui est en leur meilleur état. Là vous allez rire. Oui. Oui monsieur, il part en cacahuète, le cordon. Là, il va falloir que je pense à le changer. Il est temps. Mais il est où? Mais il est où? Mais il est où? Ah, ouais, on l'entend des deux côtés. Vu comment ça passe du côté d'Ottawa, je crois que je vais pas mettre plus fort. Mettre un petit coup de thune parce que il m'a semblé voir un peu de toast tout à l'heure. Ok. Mais il est où? Mais il est où? Mais il est où? Il est où? Putain, je m'attendais pas à ce que tu me passes aussi fort. Ah ben c'est redescendu aussitôt. Ah ben c'est retombé aussitôt. Ça y est, ça remonte. Est-ce que... Attends, tu m'as qu'à Santiago 5, est-ce que quoi? Oui, un petit peu bas. T'as la vache, t'es retombé, là t'es dégringolé là au niveau signal. Attends, vas-y, reviens-moi. Alors là tu es alors 27 625.01.
Tout à l'heure, tu étais sur 27.624.08. Alors, ne touche plus à rien. Voilà, reste comme ça, ne touche plus à rien. À la limite, à choisir, vaut mieux que ce soit un petit peu un chouïa de ce côté-là. Bon, ça te fait une voix un petit peu plus fluette, juste un petit peu plus aiguë, mais d'un autre côté, ça permet de mieux passer aussi. Wow. Notre ami Marou Papa 025 Pascal, il était derrière, ça a quitté un peu de son côté, mais il était derrière en même temps que nous dans le QSO. D'accord, tu m'as fait une pointe à 8 là. Les 73-51 Pascal, je sais pas si toi tu vas arriver à m'entendre, parce que bon, en même temps j'ai des soucis de mon côté et tout ça, j'ai dû basculer sur le micro d'origine, j'ai dû enclencher la boîte d'accord. Je suis sur trois pattes là, moi, en ce moment là, au niveau de la station. Et c'est pas encore aujourd'hui que j'aurai le temps de m'en occuper. Donc les 73-51 Pascal, en espérant que tu arrives à m'entendre un petit peu, mais bon, c'est pas gagné. Moi, j'ai rien qui passe. Ah, Gilles. Allez, super, tes derniers démarrages de vidéo, là, les vignettes, le mur et tout ça, avec ta télé et tout. Ça fait vraiment super, ça. Garde-le, ce fond-là, garde-le. Ah, mais c'est pas que le début de la vidéo, c'est sur toute ta vidéo. Ah ouais, ça le fait vraiment. Pour peu que quand on regarde tes vidéos sur YouTube, on se mette sur la télé, eh bien pour le coup, là, on y est vraiment. Léon, il est où? Il est où, Léon? T'es en train de faire les cons, là, entre deux coupures de vidéos. Bon alors. Tenez, Québécois, un peu de verdure, un peu de soleil, un peu de chaleur, voilà, du sud-ouest. Ah oui, hein. C'est à ce point. Oh, il marche bien, le Roger Bepo, il marche bien. Ah, mais il te personnalise, celui-là, là, c'est sûr. C'est, comment dire, c'est comme si tu mettais un aller-retour, si tu vois ce que je veux dire. Il y en a un, imagine, t'en as un qui vient te casser les pompes, tu lui colles un aller-retour. Eh bien, le Roger Bip, ça fait pareil, t'as l'aller, t'as le retour. Oui, c'est en plus, ce que j'ai pu entendre, les commentaires, et Roger Bip, ah oui, ah oui, 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 je confirme. Hein. Ah oui, oui, parce que, bon, d'accord, c'est un double Roger Bip, ça, tout le monde peut le faire. Mais il a deux tons, et voilà, il a deux tons différents. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non, mais si, là, je suis en train là, de travailler ma vidéo là, de tout à l'heure, hein, là, quand j'étais en push. Tu verras dessus, là, ce bordel que c'était. Bon. Ouais, j'ai démarré du QRA, et eh bien, il était... ah oui, ça va pas te dire grand-chose.
10h45, bon bah toi t'étais encore au 144, ça c'est sûr. Je suis rentré, il était midi et demi, 6h30 pour toi là quand je suis rentré. Hein. Non, il était plus tard que ça. Il était 12h55, donc 6h55 pour toi là de ton côté quand je suis rentré au QIRA. Et oui, effectivement, c'était un peu le boxon, quoi. Oh là, je t'ai perdu sur la fin. J'ai même pas entendu le Roger Bip. Albi. Non, pas du tout, rien. Ni rien au QRA, rien sur le web SDR. Là, je suis à fond. Oui. Je suis en position 7 sur le filtre, sur le DSP. Alors là, ce qu'on entend là, ben, c'est le web SDR là à côté, là, qui est à gauche. Position 6, position 5, du coup j'ai regardé un petit peu ses réglages, et lui, il a le bouton général, on va dire, là où se trouvent les deux petites LED, là sur le BHI 1031, où le voyant rouge clignote assez souvent. Et moi, si je veux l'avoir aussi qui clignote, il faut que je pousse plus que ça le volume. Ou alors, c'est peut-être parce que son poste est différent du mien. Ouais, ça doit être parce que son poste est vraiment différent au niveau du son. Parce que bon, le Yaju, il filtre déjà pas mal d'origine. Enfin, je dis ça, mais ouais, si, quand même. On va pas non plus l'accabler. Savoir si on peut s'enveiller pour le lire.
J'ai repoussé un petit poil. Ah, j'ai bien... par rapport à mon réglage original, là, comme je le faisais avant, là j'ai bien poussé un bon quart de plus. Ouais. Ouais. Oh, le Brésil. Wow, les 73 André, Rémi d'Indy 33. Des fois j'ai l'impression sur QTH il doit être pourri hein, André. Autant il passe bien, autant il m'entend pas. Là. La Gounette sur le Québec, il soupçonne des martiens. Incroyable, 0 degrés. Quand on entend les bruits. Et ouais, c'est vraiment bizarre. Cette météo, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que c'est même pire que les années précédentes. À faire les yo-yo. L'année dernière, je me souviens pas que ça avait fait du yo-yo comme ça à ce point-là. Quoi. Que l'année dernière, on n'avait pas trop le Québec non plus. Le Brésil. Ça. Viens chez nous, tu vois ce que c'est que le printemps avec 15 degrés. Là, tu te retrouves en short et t-shirt. Alors, je retourne au groupe avec
Oh oui, toujours là, toujours là. Ça m'a reçu le Chris de écouter à nouveau à Colmicron. Et 73-51, André. Ah ben zut. Charlie 555, espace Gilles, plus, et on rajoute un L qui vient toucher à la fin. Mais bon, déjà ça, ça doit arriver.
Mais qui ils sont ces kilomètres? D'où ils arrivent? Voilà. Voilà le site Kilomec. Radio Communication Kilomec, RC Kilomec. Et c'est une association. Pourquoi je dis ça? Parce que ça montre déjà une certaine implication du côté du bureau, de tous ceux qui gravitent autour des fédérateurs des différentes régions et tout, tout, et tout. À la différence, on va dire, sans désignation particulière, d'un groupe Facebook, XYZ, qui va se mettre à lancer comme ça des indicatifs et tout ça. Mais derrière, il y a pas de vrai suivi, c'est moyennement sérieux. Bon, bref, ça veut dire la même chose. Ça, je l'ai vu avec quelqu'un du Nord, dont on n'entend plus parler d'ailleurs. Ah, pourtant, il en a envoyé des indicatifs. Mais depuis, plus rien. Là, c'est dommage pour les membres qui restent, qui sont en fin de compte des faux membres quelque part. Ben, nous, là, au kilomètre, on fait pas ça. Quand on fait quelque chose, on le fait sérieusement. Ou alors, on s'abstient. Quand je dis on fait les choses sérieusement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se prend au sérieux pour autant. Il y a une nuance. Là, avec ce qu'il est en train de faire, là, Gilles de son côté, là, tous les contacts qu'il fait, je vous dis pas la taille de sa vidéo,
ça va donner encore une vidéo de 3 heures. Pas que je dis ça, mais moi de mon côté, c'est pas mal aussi. Et il me bat. Il me bat. Oui, monsieur. Toi, t'as touché ton poste. Ah ben tu m'étonnes, avec les gueules que t'as, c'est sûr que je suis toujours à l'écoute. J'entends pas ou difficilement les stations. Les stations qui viennent d'arriver, les 73-51 eux tous. Voilà, de la part de Dindy 33, 14 km, 33-01, Rémi, à côté de Saint-Émilion. Merci, chef vénéré. Ah, c'était connerie de dire comme ça, chef vénéré. Je me suis amusé à le faire à mon patron. Ça n'a pas marché, hein, j'ai pas eu d'augmentation. Eh zut. Mais il n'y a pas
l'autre aussi, hein, ça envoie le 73-51, et puis on espérant la propagation de la porte. C'est ça? Il faut tenir un listing. Hein. C'est ce qu'il fait, puis on le voit à chaque fois dans ses vidéos. C'est un pendant. Oui, c'est la plus contrainte, c'est la plus contrainte. Si vous l'êtes, bravo, Charlie, frère, alors, 15h. Ah si. Il y a pas de soucis, dans le plat, beaucoup de responsabilités aujourd'hui dans le hôpital. Brésil. Thank you.
chérie, comment vas-tu? Des fois, ça donne l'impression qu'on radote, mais en fin de compte, ben, quand on dit ça, c'est jamais la même personne. Donc, ben, c'est pas vraiment radoté, quoi. Ouais, alors, je l'ai entendu très QRP en direct. Du côté du web SDR d'Ottawa, ben, je sais pas, toi là c'est en panne. ça récepte tout, n'importe quoi, mais c'est en panne. C'est en panne de, pour la 14. C'est bizarre. Alors les bots 73-51 lui, voilà. Alors attends que je regarde bien à nouveau. Ouais, c'est ça. Même moi je m'entends pas dedans, rien. Il n'y a rien qui passe de la 14 sur le web SDR d'Ottawa. Et pourtant ça bombarde dessus. Alors les 73-51 la station, 14 km 33-01, qui m'a semblé entendre très très QRP derrière. Ah zut. Si. Il est là, mais... Ah, c'est tiré par les cheveux. Merci. Merci, chef vénéré. Merci, chef vénéré. Ouais, je l'ai vraiment deviné dans le lointain, là, par vraiment petits bouts et tout, mais pas plus. Donc, tout ça à nouveau renouvelé. Excuse-moi, beaucoup quoi? J'ai pas compris. Bon, pas grave. J'aime pas faire répéter comme ça plusieurs fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oui, comme tu dis, j'entends plus personne. Oh, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Oui, de mon côté, ça passe. Ah, ça, pour passer, ça passe. Du moment que ça ne trépasse pas, c'est le principal. Ouais, la propagation est incroyable aujourd'hui. C'est incroyable. Ah, c'est du 56-57 de mon côté, puis paf, des fois ça plonge, et puis ça remonte plus haut, ça fait le yo-yo, ça fait comme la température, et c'est vrai que ça change d'hier. Comme je disais tout à l'heure, hier, j'ai pas réussi à entendre le moindre Québécois, alors que là, aujourd'hui, si. Oui, là, aujourd'hui, c'est la voix des anges. Affirmatif, et aller au travail en plus, la voix des ondes. Ah bah tiens, non, puis maintenant. Eh bien, ça fait 10 minutes là, qu'elle a débauché, elle est sur la route. Ah, chie trois coups.
de quelqu'un là. Oh là là, c'est notre ami. Cette modulation, je la connais. C'est du nord, ça. Non, je me trompe. Dites-moi ça. Oh là là, comment tu le réussis ? On va voir vendredi comment ça va se passer. Ça sera surprise, surprise pour vendredi. Soyez ce pas un coup de rouleau à pâtisserie et on n'entendra pas sur les ondes. Ou alors, bon, voilà. À cause qu'on était privé là de la propagation. Hier, c'est vrai que j'ai cru un instant que la porte s'était refermée pour nous, là, que la saison était terminée, là, côté Québec. Thank you.
15 degrés toujours, nous, là. Du côté de ta voix. Tous les coups et ceux qui font. Avant, si je me trompe pas, avant ils prenaient pas de notes. Ils retenaient tous les indicatifs. Et ils les envoyaient à la volée, comme ça. Tac, il est passé à la volée, je veux dire. Ils retenaient les indicatifs de tout le monde. Waouh! Ça, c'est fort. Waouh, c'est retombé. Ouais, Gilles, je suis toujours là. Là, je t'entendais plus du tout. Là, ça passait plus du tout là de mon côté. C'était descendu à zéro là avec le Québec. Là, ça remonte un petit peu, mais c'est très très QRP.
et que je rate un truc. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, 1, 2, et on dirait que du côté... Ouais, ben ça a l'air d'être bon, ça. Oui, alors ce que j'ai en train de faire, c'est pendant que j'avais mes soucis, là, et tout... Ouais, Gilles, je sais pas, tu m'as repassé le micro, j'ai pas compris. Ah si, j'ai du tous. Donc, la propague a chuté, hein, là, c'est... Waouh, c'est devenu très, très QRP, hein. Bon, je relâche le micro parce que j'ai l'impression de surmoduler quelqu'un. Je crois que j'ai une connerie en disant ça, moi. Voyons si c'est pareil ailleurs. Brésil, c'est bien ça. C'est à tourner de ce côté-là. Donc, ici, là, il doit y avoir du monde. Scandinavie. C'est pas trop du côté du Brésil, ça. Et je remonte au premier. On va dire. Si, prends le micro. Attention Gilles, tu es toujours là? Oh, j'ai entendu le double bip. Ok, t'es toujours là. La porte s'est presque refermée, dis donc. Elle s'est presque refermée, la porte. Et moi, je comprends que dalle ce qu'il me dit, et je suis sûr que lui, il a compris ce que j'ai dit. Maintenant, si je fermais un peu ma gueule aussi, j'entendrais mieux. Désolé pour les grossièretés. Je viens d'aller faire un petit tour plus bas, voilà, le Brésil, tout cela, la Scandinavie, le Brésil, c'est sur tous ces coins-là là, qui passent là, de mon côté. Là. Mais là, côté Québec, là, par contre, là, c'est se refermer. Ouais. Voilà, et il m'entend. Non mais sans déconner, je sais même pas comment tu fais pour arriver à m'entendre. C'est là, va falloir que tu me donnes le mode d'emploi. Hein. Parce que bon, là, enfin bon, je t'ai entendu, oui, QSL, mais c'est tout. Ouais, t'entends d'autres stations? Comment il fait? Comment il fait l'animal? Oh oh! Il est où? Il est où? Léon, il est où?
comme il a expliqué dans sa vidéo, c'est quelqu'un de ce côté là qui fait ça. Là. C'est comme ça qu'ils le reconnaissent. Bon Gilles, je vais faire un break, enfin je vais faire une pause, puis on verra bien tout à l'heure. Il est que, ici en France, il est que 15h30, c'est tout, donc ça devrait remonter tout à l'heure. Comme ça, ça va me permettre de remettre la caméra en charge. Gilles, me dis pas que tu m'as compris là. Ah, j'entends quelqu'un dans le voie BSDR. Alors j'ai entendu là un double bip. C'est-il que la porte serait réouverte en direction du Québec? Oh oui monsieur. Je viens de répondre justement à ton message là sur Messenger, là à l'instant même. Wow, ouais, il y a du bruit. Hein. J'ai entendu les martiens passer là à l'instant même. Bon, donc là, je viens de répondre à ton message là sur Messenger. La prise du Yazu là que j'ai là au QRA, c'est une prise RJ45, comme les ordinateurs, comme les prises informatiques, pareil. La même chose que... Waouh, c'est dur, là. L'extension de sculpté à l'arrière du bois. L'extension de sculpté, c'est la même ville. Alors, 15h45, bientôt 50. J'ai pas compris. Moi, pas avoir compris, toi. Maintenant, si je fais autre chose en même temps, c'est un peu normal. Désolé. Oh, pour le coup, devant mon manque de neurones, il abandonne. Excellent. Alors, par contre, oui, c'est surtout que tu m'as dit là, Yazu Audio DSP. J'avoue que je connais pas. J'entends parler dans le web SDR. Je comprends pas trop ce que c'est. Je creuse. Si c'est celui-là que je pense, là, que j'ai devant moi. Hein. Ah oui, bon d'accord, je creuse tellement que je vois que les explications elles sont écrites en chinois. Alors là, pour le coup, ça a vachement m'aider ça. Alors attends, oh, bon, en dessous, réducteur de bruit, qualité avec livraison. Ouais, bon, ben, d'accord. Mais ça, toi, j'ai toujours cru qu'un DSP, ça se branchait en sortie de poste ou sur la sortie au parleur. Quoi. Bon, bref. Et là, vu ton message, tu penses que c'est pour brancher un micro dessus. Je sais pas. Moi, là, je connais pas, je cherche. D'accord, ça marche. C'est vrai que là, je suis un petit peu perdu là avec ce truc. Je connais pas du tout là ce Yazu Audio Voice DSP. C'est la première fois que je vois ça. Quoi. Ah, zut. Celui-ci, je comprends pas trop comment il se branche.
Je suis pas sûr de ce que j'ai devant les yeux en plus. Là, non, je suis pas sûr du tout. Tiens, puis je viens de me prendre une châtaigne avec le micro en plus, moi. Pour bien faire, il faudrait une photo là de l'appareil que tu as. Voilà, enfin des photos, voir voir la tronche qu'il a, voir les branchements, comment ils sont et tout. Parce que là, je t'avoue, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je vois pas du tout ce que c'est que cet appareil. Ouais, il faudrait que tu m'envoies les photos, photos de la façade, photos des branchements qu'il y a dessus, pour que déjà moi je comprenne de quoi il s'agit, quoi. Parce que là, Google, il suffit que je change une lettre, un truc comme ça, et c'est plus du tout la même chose qu'il me montre. Alors c'est pour ça que là, je suis pas. Il me demande de corriger en plus. Je suis pas du tout sûr de l'appareil, parce que là, il me montre plein de trucs. J'ai plein de trucs là qui me montrent là à l'écran, là, Google, mais je suis pas sûr du tout de à quoi ça ressemble. Ok, ça marche, on bascule sur Messenger. Ah, ça le fait pas quand on fait de la radio, là. Là, ça déconne. Ok. C'est dans la boîte.